Bonjour à tous, c'est Electron, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Salut Chuck qui m'accompagne. Salut poteau. On va démarrer la vidéo avec... Allez avec quoi Chuck? Bonjour. Ouais, et encore? Oh oh oh. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. On va où Chuck? Voir les houleurs d'Alsace. Alors, hop là guys, et roule ma poule. On vient d'arriver, le rendez-vous est prévu dans deux petites heures, donc il fera noir. J'en profite pour vous mettre de belles petites images. Clairement, on a l'impression qu'on pourrait croquer dans toutes les façades. Ça sent bon la cannelle, ça sent bon Noël. Allez, bienvenue à Strasbourg. Vous avez vu Strasbourg, on s'est régalé. L'après-midi, on avait fait des images avant que le soleil se couche et c'est les images que vous avez vues, c'était magnifique. Et on avait rendez-vous, peut-être, puisqu'en fait le ride à 20h avait été annulé par la figure de proue des wheelers d'Alsace qui malheureusement était malade. C'est Yannick que je salue, j'espère qu'il va aller mieux quand la vidéo sera en ligne. Puis le froid, peut-être que ça a démotivé certains. Bref, nous, on avait décidé d'y aller, on y a été et il y avait un gars présent, Olivier, super. Cool. Il nous a régalé d'une balade nocturne dans Strasbourg. Donc vous avez vu le jour. Si vous voulez voir la nuit, franchement, bah, déplacez-vous. Quand on dit capitale de Noël, clairement, on était dans l'ambiance. Le pain d'épices, le vin chaud, il est bon le vin chaud. Ouais. Les bretzels salés, ouais. Mais on n'a pas goûté les sucrés. Du coup, direction Colmar, avec la mission de goûter les bretzels. Et encore un peu le vin chaud, faire un comparatif entre les deux. S'il y a des riders et des wheelers, on leur a déjà envoyé quelques messages, qui arrivent à se motiver comme ça au dernier moment, eh bien on ridera avec eux avec grand plaisir. Et en parlant de dernier moment, on vient d'avoir un petit contact avec les wheelers lorrains qui semblent motivés pour nous faire visiter Nancy. Du coup, aujourd'hui samedi, direction Colmar pour un petit ride. Et demain dimanche, on sera à Nancy pour rider avec les lorrains. Voilà, et bien on vous reprend à Colmar avec de belles images. Vous allez voir que les villages là-bas sont magnifiques. On va découvrir. On est où? On est où? Benfeld. Oh, c'était ouais. Facile. On est où? Guggenheim. Pas mal. Je sais pas, ça rend bien, mais c'est peut-être pas ça. Et nous voilà arrivés à Riquewihr et il faut avouer que nous on avait peur de garer le van. À deux pas de la ville, on a nos gyros ici. La belle Sherman de Chuck. T'es de bonne humeur Chuck aujourd'hui? À fond, ça va être cool. C'est cool. La V11 elle est là et le village est juste là. Donc on est garé, ici on avait des super agents qui nous réservent une place de parking parce qu'on roule en van. Et oui, on est VIP, on pensait qu'on allait être embêté et en fait c'est même mieux de venir en van. Alors venez en van les amis. La ville elle est là-bas, c'est un bonheur. Allez, on visite ce petit village qu'on nous avait recommandé. On fait un petit tour rapido, après on se fait un deuxième village et après on va à Colmar. Nous voilà donc à Riquewihr. C'est une ville située sur la route des vins d'Alsace, dans l'est de la France. Ses pavés sont parsemés de boutiques, de viticulteurs et de salles de dégustation. Des outils de vignerons et une cuisine restaurée sont exposés dans la maison du vigneron, datant du XVIe siècle. La tour du Dolter de 1291 abrite un musée du Dolter et des armes vieilles de plusieurs siècles. La tour du Voleur est une ancienne prison du XIVe siècle où se trouvent des instruments de torture. Et du coup, on est accueilli chez Miklos pour la petite dégustation qui va bien. Framboise sauvage. Framboise sauvage, notre ici. Notre spécialité. Présentée par Joël et Christine. Très aimable, très sympa. Ça va rien finir cette histoire. Allez, santé. Santé. Et du coup, là, on va où? Non. On va... Kaisersberg. Ah, tu vois, c'est exactement ce que t'allais dire. C'est simple à dire, voilà, j'allais dire. Allez, go. Après avoir traversé des chemins de vignes, c'est un village dont la construction débute dans la première moitié du XIIIe siècle. L'enceinte est construite dans le premier tiers du même siècle. Les ruines du château, comme les vestiges de l'enceinte, font partie des monuments classés aux monuments historiques. Et donc, enfin, nous voilà à Colmar. Allez, c'est parti, direction le rendez-vous. Mais avant, on mange un petit bout et on charge les machines. Dans la boutique de lingerie. Yes. Eh, regarde, c'est la meilleure boutique de lingerie de tout Colmar. Parce qu'il y a du courant. Et il y a plein de prises. Yes. Eh, regarde, le boss,
il roule en 010X. Tu rides avec nous alors ou pas? Yes. Yes. Elle a craqué. Allez, direction le Champ de Mars, c'est ça? Ouais. Calmar. On est 5. Eh, oui. On a une célébrité ici avec le Robin des routes. Bonjour Robin. Bonjour. On l'a déjà vu l'année dernière. Comment tu vas? Ça va bien, mais je suis sur mes pieds aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. La Charmonnelle est à la maison. Il est venu nous saluer. On l'a rencontré sur la chaîne l'année dernière. On a raconté un petit peu son ride de Tour de France en giro roue. N'hésitez pas à vous la remettre, hein. Franchement, faites-vous plaisir, nous ça nous fait plaisir. Hein. Ah oui, d'avoir découvert le veilleur de nuit aussi ensemble. C'est ça, le veilleur de nuit, tout à fait. Là, on a Nomade. Oui. Yes. Tu vas bien? Bien, et toi? J'ai vu que tu avais fait la Corse aussi en roue cet été. Oui, 700 km. Aïe, 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 t'as fait mieux que moi quand même. Pourquoi t'as fait pas mal toi? Moi, j'ai fait que le Cap Corse. Et après, je suis descendu mais j'ai pas fait autant. On a fait Ajaccio, le Cap, jusqu'à Bastia, et puis, bref, c'est tout. Mais on a quand même fait 700 km. C'est pas mal. C'est bien. On s'est bien régalé, on a vu un peu d'image. Ah bon, mais trop peu. Hein. Et notre hôte de charge, tu vas bien? Motivé? Très. Elle bossait normalement, mais elle s'est motivée. Et l'incontournable. Je suis motivé, encore motivé. Lui, il s'est régalé dans les petits villages ce matin. Ah, et puis les vignes, c'est magnifique au milieu des vignes, c'est la source. C'est beau. Du coup, tu vas nous emmener, tu vas te démerder, tu nous fais visiter Colmar, tu fais quoi? Colmar, il y a trop de monde. Trop de monde. Tu veux pas aller en centre-ville? On a fait vite fait de loin. Oui. On verra bien. On va essayer de capter un peu d'image. Ok. Allez, c'est parti. Elle est toute belle Poucha, c'est Poucha Patricio. Regarde comme je... Oh là là, quel bion. Il est bio, ma Poucha. Au moins on me voit. Mais bien, mais bien. Ça va? Ça va et toi? Hey, je suis en train de me promener, on me dit salut Electron. Alors je m'arrête, bonjour. Bonjour. Enchanté. Et juste à côté, elle peut apparaître aussi? Oui, oui. Une toute petite rouleuse, elle vient de me dire qu'elle aime bien la Girorou. Comment tu t'appelles? Et si un jour on se croise, on roulera ensemble, ok? Avec grand plaisir. Il a commencé à... Non, redonne un petit gobelet pour la petite Miss. T'as vu à quoi il me sert, Chuck? Désolé, il y a ma tête dessus, tu m'en veux pas? J'adore. Reste comme t'es. On a trouvé la source. Elle est là. Il fait soif, hein? Skilt, skilt. Chin, chin. On n'a pas l'accent. À toi, à toi. Chin, chin. Skilt. Skilt. Merci à toi. Skilt. Venez en Alsace goûter ce doux nectar. Un petit goût de vin, de sucre, de cannelle. Et quoi d'autre? Orange. De l'orange, de l'anis. De l'orange. De l'anis étoilé. De l'anis, ouais. Du poivre. Normalement aussi un peu de poivre. Ouais, tu vois, je te le disais hier. Bref. Venez le goûter ici, ça a vraiment pas le même goût. Tout à l'heure, j'ai dit les baraques ici, on dirait qu'elles sont à manger. Hansen Gretel, c'est un peu l'emblème alsacien. C'est un garçon et une petite fille qui se promenaient dans la forêt et ils ont vu une maison qui est en pain d'épices. Et la maison appartenait à une sorcière. Et la sorcière, elle a attrapé ses deux enfants et elle les a emmenés dans la maison. Et puis eux, pour essayer de s'échapper, ils mangeaient la maison en pain d'épices. Mais l'astuce, c'était que les enfants, ils grossissent. Comme ça, elles pouvaient les manger, ils étaient plus dodus. Voilà. Ça fait trop flipper. Donc en fait, elle faisait sa maison en pain d'épices pour attirer les enfants. Moi, je vais rider, hein, parce que là, ça me fait trop flipper. Merci pour cette belle histoire. À tout à l'heure, les amis. Et demain, on vient d'avoir la confirmation, ce sera direction Nancy. Là, il se passe un truc, là, franchement. Alors, pour les Belgian Wheelers, déjà, un pouce en l'air, déjà, hein, ouais. Et puis, on invite, hein, les Alsaciens et tous les autres riders et wheelers
de France à venir rider aux prochaines journées sans voiture de Bruxelles. Bref, nous on va débriefer, hein, au boulot. Père Noël, il nous attendait depuis un moment. Maintenant, nous allons décanter cette journée. Est-ce qu'elle était bonne? Qu'est-ce que tu as pensé de Colmar et les environs? Il fait bon, le climat est doux. Le vin est doux, le vin est bon, la bière est bonne, bien, l'accueil est chaleureux. On a oublié de manger les bretzels. La région est trop... Enfin, la région est sympa, c'est trop court. 3 jours, c'est pas assez. Toi, tu connais bien. Ça t'a plu, le ride? Ben, comme d'hab, génial. Nickel. Merci de nous avoir emmenés dans ce ride. Simple et efficace, quoi. Ah, super. Voilà, et bien moi, j'ai passé un bon moment. Je remercie vraiment Thomas. Nomade, ici, qu'on trouve sur Insta, et Patoche, de nous avoir fait visiter la ville. Tout le climat, l'ambiance, les décorations, les barrages, de jour comme de nuit. Franchement, c'est une super destination. Allez, tour de magie, et maintenant, on est à Nancy. Et on y est, nous voici à Nancy. Il est encore là, lui, j'ai pas réussi à le semer. Bah non, c'est lui qui conduit. Et on a... Babas. Babas qui roule en one wheel. Thomas. Qui roule en 18XL. Elle est là. Non, là-bas. Ouais. Luc, en 16X. Elle est là, la machine. Derrière, là. Elle est là. C'est celle qui a la housse Roland Z. Johan, en Godway Nicolas Plus. Yes, en volt ici. Juju, en 16X. Et là, voilà, la 16X de Juju. Eh, ils sont là, represent là. Et Léo, en V8. Et Léo, en V8. On est bien, là. Alors, tu m'as dit que tu avais un petit cadeau pour moi? Pas grand chose, juste pour marquer là. Ah si, 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 moi je suis trop fan. Eh ben allez, au collage et puis bon après. Logo, après on va rider. De Lorraine. On est parti. Bonne balade. Et voilà, on y est. Et là c'est pour la vie qu'il est collé le truc. C'est bon ça. Pas de soucis. Merci. Allez, alors Luc, tu nous emmènes où? Bah là on fait un petit tour un petit peu à l'extérieur de Nancy. Histoire de bien en avoir froid avant le vin chaud. Yes! Et puis après, ben, on va aller voir les places bien touristiques de Nancy, place Stanislas, place Carrière, place Charles III avec le village de Noël. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. D'accord, tu nous parles un peu des Wheelers Lorrains? Ah, Wheelers de Lorraine, bah, ça existe depuis quelques années maintenant. Donc principalement maintenant, c'est une page Facebook. Mais sur Nancy, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché d'une association, Eden. Et donc, moi, je suis donc dans Eden pour représenter tout ce qui est EDPM, hein, trottinettes et autres. Et donc, on essaye de l'intégrer. À chaque fois que sur le Grand Nancy, on parle de mobilité, ben, on dit il y a les vélos, mais il y a aussi des EDPM. Donc, trottinettes, one wheel, gyro-roue, tout ce qui est EDPM. Ok, super. Donc, on vous retrouve tout simplement sur Facebook. Pour des rides, vous sortez souvent? Bah pour l'instant, c'est un peu compliqué avec ce Covid et tout ça. Hein, mais le fait qu'il y ait des touristes qui viennent, hein, on a comme motivé Electron et tout ça... Bah... Ouais, franchement, vous me régalez, les gars. En plein hiver, là, motiver les troupes comme ça. Vous êtes chauds, les gars? Ouais! C'est beau, ça! Non, la photo Instagram. Ah bon, on peut essayer de faire une photo. Hein. Voilà. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur le réseau Facebook. Vous pouvez retrouver les Lorrains et sur ma page Instagram, vous trouverez ma ganache. Donc quand ils ont refait la place Stanislas, quand ils ont mis les pavés qui étaient historiques,
avant de refermer complètement, ils ont mis un pavé avec une étoile. Et en dessus, il y a une capsule, comment tu dis ? C'est une capsule temporelle. C'est ça. Alors si vous connaissez pas géocaching, je peux pas vous en dire plus sur la cache. Mais nous, on va commencer maintenant en cherchant après cette étoile. Donc, voilà. Donc maintenant, allez voir ce que c'est le géocaching, allez chercher la cache qui correspond à cette capsule spatio-temporelle, Doc. Yeah, c'est bon ça. Allez les jeunes, aidez-moi à la trouver. Vous savez où elle est ? Ah non, 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 je suis de Lille, moi. Je viens de loin. Elle est là, elle est là, la capsule temporelle, on l'a trouvée. La capsule temporelle. Merci coéquipier. C'est ça. Yes. Et coéquipière, check. Yes. Dites-moi, on commence du début. En dessous, il y a une caisse enfouie sous cette étoile avec des photos et des textes qui ont été rédigés par des Nancéens. L'idée, c'est que quand on repavera la place Stanislas, dans je sais pas combien de temps, voilà, et voilà, on retrouve les témoignages des Nancéens et Nancéennes au moment où on avait déjà repavé la place. Merci beaucoup, voilà. Au plaisir. Bienvenue à vous. Merci. Alors une petite anecdote, par exemple ici, une anecdote gourmande chez Adam. Donc ils font ce qu'on appelle le gâteau, le Saint-Èvre. Il n'y a qu'eux qui le font, il n'y a qu'eux qui ont la recette. Interdiction, les autres, personne d'autre ne la connaît. Donc il n'y a qu'ici qu'on peut avoir un Saint-Èvre. Et si un jour vous pouvez le goûter, c'est génial. Ah, d'aller au village de Saint-Nicolas ? Il y a quoi là-bas ? Rien. Du vin chaud ? Certainement. De l'assurance ? Yes ! Chocolat ? Chocolat. Un chocolat, on prend la route après. Non, je disais que Nancy, c'est quand même mieux que Strasbourg, hein. Enfin bah hop la gueule, hein, quand même, hein, et roule ma poule. Et tu voulais emmerder qui ? Ah, un certain Yannick et puis Damien, hein, les potes alsaciens. Et toi, tu as un truc à leur dire ? Pas spécialement, moi, je... Non, pas spécialement. Non. Hop la gueule, et roule ma poule. Salut. Le vin chaud, il est bien ici qu'en Alsace. C'est ainsi que s'achève notre petit périple à tous les deux. Franchement, merci à tous ceux qui nous ont reçus ici et ailleurs. Moi, il me reste, et à eux aussi, qu'à vous dire à bientôt et bon ride !